Hello les passionnés de scrap! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter enfin mon duo d'albums donc que j'ai réalisé en même temps. Alors pour la petite histoire, comme je m'étais trompée dans les dimensions de cet album là, eh bien il y en a même un troisième que je vous montre aujourd'hui qui est fini. Alors les tutos vont arriver mais pas tout de suite parce que je me suis dit entre deux quand même. Là, on vient d'enchaîner une grande série sur ce duo d'albums. Donc, je vais varier un petit peu les vidéos, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Je vous le montre aujourd'hui parce que j'ai mis les coins après avoir filmé la présentation de cet album. Donc, comme je ne sais pas faire les montages, je ne suis pas arrivée à vous mettre une photo. Mais voilà, je vous dis du coup que je vous ai déjà mis une vidéo avec les coins. C'est un peu bizarre de jouer avec le temps comme ça en fonction de comment on programme les vidéos. Voilà. Donc j'ai mis les coins. Voilà ce que ça donne. Et je ne sais plus si j'ai... j'ai peut-être pas fait le bijou d'album non plus. Voilà, donc ça, c'est des perles entièrement action. Voilà, donc j'ai des perles, j'en achète pas mal chez Action, plusieurs coffrets, plusieurs, voilà, donc il y a un petit peu de plusieurs choses. Ça vient de chez AliExpress, voilà, où j'ai acheté il y a super longtemps, il y en avait toutes les couleurs, voilà. Et puis ça vient de chez Nose, j'ai acheté il y a très longtemps aussi, tout un lot de clés, et je les avais jamais utilisées comme ça, mais je trouvais ça sympa. Et la petite chaînette, elle vient de la Fée du Scrap. Je crois pas me tromper. Et l'œillet, c'est un œillet We Are Memory Keepers que j'ai posé grâce à la Crocodile. Voilà. Et les coins, ils viennent de Amazon ou AliExpress. Je ne sais plus. J'ai acheté il y a très longtemps un lot comme ça. Et puis le reste, eh ben, je vous le montre dans une présentation qui va venir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et puis donc, pour cela, je vais vous faire la présentation. Normalement, j'ai tout préparé autour de moi. J'ai rangé mon bureau. Voilà. Petit clin d'œil par rapport à ma vidéo, le bureau de la honte, où je vous montre tout mon bazar. Bon, j'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai sorti juste normalement. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour reprendre, ça c'est un faux cuir de chez Action. Ça c'est une dentelle de chez Action. Bon, c'est des albums 100% Action, donc allez, on va dire 99% Action. Donc la dentelle de chez Action. Ça c'est un faux cuir pailleté de chez Action. Alors le dice que j'ai utilisé pour couper, pour la découpe à la machine de découpe, ce ne sont pas des dice de chez Action. D'ailleurs, j'ai oublié de les sortir. Sokai et Crealia, je crois. Ça, je ne sais plus. Alors, le faux cuir de chez Action, effet miroir. Le faux cuir aussi, le petit lapin est en faux cuir. En fait, voilà. J'ai sorti le faux cuir et je me suis amusée. Mais vous avez tout en vidéo, hein. Que ce soit la structure, la découpe avec la Big Shot faux cuir. J'ai fait même deux vidéos. J'ai fait une première vidéo de test. Et puis, il y a des abonnés qui m'ont donné des idées. Donc, j'ai refait une deuxième vidéo. N'hésitez pas à aller les voir. De toute façon, je vous rappelle que j'ai fait une playlist où j'ai mis toutes les vidéos concernant le duo d'albums. Donc, vous trouvez tout. Il y a juste 2-3 pages que j'ai scrappées en dehors, mais voilà, vous trouverez presque tout, on va dire, en tuto si vous voulez une précision. Le papier. Ah oui, pardon, la fleur, je ne sais plus le dice d'où il vient, mais le petit lapin, c'est les ateliers de Karine. Les coins, vous les avez reconnus, ce sont les mêmes que sur l'album que je viens de vous présenter, donc je crois que c'est Amazon, il me semble. Ça, c'est une dentelle de chez Action.
Ça, ça vient d'une petite boîte de chez Action. Ça, je crois que c'est un dice de chez Action, dans une chute de papier Action. Ça, c'est un... Je sais plus comment on appelle ça. Métallique. Breloque métallique. Je ne sais plus si... Je pense que c'est AliExpress. Voilà, ça c'est Noz, c'est la même clé que celle que j'ai utilisée pour l'autre album. Et là, il n'y a que des perles de chez Action. Ça c'est un anneau aussi qui vient d'une boîte de chez Action. Le fil aussi que j'ai utilisé pour mettre les perles, ça vient de chez Action, d'une petite boîte. Voilà. Je trouvais que ça changeait de la petite chaînette. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc les papiers, oui les papiers. Alors les papiers, j'ai pris la grande majorité. Ça vient de ces blocs-là que j'ai achetés il y a peut-être 2-3 mois chez Action. Donc pour rappel, il y a 10 feuilles de 220 grammes et 20 feuilles de 120 grammes. Voilà. Bon, là il ne reste plus grand-chose, hein. Un noir et blanc et un dans les roses. Voilà. Pour le petit rappel. Alors, quand on ouvre, on retrouve, donc là, c'est les papiers de chez Action. Là, j'ai mis, c'est du papier peint de chez Action pour faire ma tranche parce que j'ai eu quand même du mal avec le faux cuir de chez Action pour la tranche. Donc le faux cuir de chez Action, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour les découpes. Je vous renvoie à mes vidéos. Par contre, pour les structures d'album, je ne réutiliserai plus. Voilà, j'étais plutôt déçue, je le suis encore. Il marque très facilement. Là, en plus, il a rétréci quand j'ai coupé à la bonne taille. Et puis après, il est un petit peu élastique. Enfin, comme s'il y avait de l'élastane. Donc, bon, c'est léger, mais voilà, il y a un petit retrait là. Voilà. Et puis, voilà, je pense que... En fait, ce que vous voyez, moi, je le vois encore plus prononcé. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, bah, j'avais prévu de mettre le faux cuir, mais vu que, comme j'étais pas très satisfaite, j'ai mis du papier peint. Voilà. Donc, j'ai fait une couverture fond gris, mais bon, là, elle se voit plus parce que j'ai collé ma structure en spirale. Donc, les spirales, elles viennent pas de chez Action. Elles viennent de Amazon, je pense. J'ai fait avec la cinche. Encore une fois, il y a le tuto sur ma chaîne. Là, c'est une découpe faite avec un dice de chez Action. C'est la même forme avec plusieurs tailles. Le petit éléphant que j'adore vient de chez Action. C'est les tampons bois. Voilà, je l'adore. À chaque fois que je fais quelque chose, une création pour bébé, je l'utilise pratiquement à chaque fois. J'ai fait aussi une vidéo, elle remonte, c'est quand je les avais achetés, c'est cet hiver, où je teste tous mes tampons bois Action et j'adore. Vraiment, c'est gros coup de cœur. C'est un tampon assez fin, on le réussit très très bien. Enfin, voilà. J'aime beaucoup. Ça, c'est une étiquette, je crois, qui vient d'une planche d'étiquette de chez Scrap Didi, il me semble. Mais en fait, j'ai ouvert mon tiroir d'étiquettes et puis je me suis servi. Comme j'ai ouvert ma petite boîte de dice cut, tampons, découpes, chutes, dans les tons de rose. Donc, il y a pas mal de choses qui viennent de cette boîte-là. Et donc, beaucoup, la plupart de chez Action, mais pas toutes. Ça, j'ai fait avec l'encre Versafine. J'ai tout fait à la Versafine. Et là, j'ai utilisé la couleur grise, Smoke et Grey. Et le tampon, voilà, il est là. Alors, ça vient de chez Action. Voilà, c'est celui-là. C'est un vieux tampon. Mais... Bon, pas parce qu'il est vieux qu'il est pas beau, hein. Je sais pas pourquoi je dis mais je le trouve très joli. Voilà, et ça vient de la même planche de tampon.
Et je trouve que ça fait un petit fond plutôt sympa et en plus raccord avec le papier. Alors là, on a l'impression que c'est pas le même gris sur la vidéo, mais ça, c'est un effet de la lumière. Parce qu'en fait, c'est exactement le même. Alors, ces deux gris-là sont exactement les mêmes, mais pas la même matière, d'où la nuance. Celui-là est légèrement plus foncé, mais celui-là, c'est exactement le même, mais en plus clair. Et je m'étais dit, c'est ce que je vous dis d'ailleurs dans la vidéo de ma structure, c'est peut-être du fait que c'est le même fabricant, ils utilisent peut-être les mêmes couleurs, les mêmes bases, et du coup, c'est pour ça que les gris s'accordent très très bien. Donc là, ça vient d'un bloc 30-30 de chez Action. Ça, c'est une étiquette, je crois, Scrap Didi. Ça, ce sont des dies, hein, de chez Action. Donc le cœur qui a été fait dans un faux cuir. Et ça, dans un papier miroir de chez Action. Et cette frise-là, je l'ai faite avec ma perforatrice de bordure que j'aime beaucoup. C'est celle que j'utilise le plus. De la marque Vasen Créative, qui est légère, j'aime bien le fait qu'elle soit légère, facile, enfin voilà, très très bien. Qui vient probablement du site Horizon Créatif. Alors, ça c'est pas Action, mais Action par contre, ils font des dies bordure. Donc moi j'en ai pas beaucoup des dies bordure, et pas du tout dans ce style-là, mais. Il en existe. Enfin, ils en ont fait beaucoup, donc je pense que vous pouvez regarder si vous aimez les bordures comme ça. Surveillez si vous n'en avez pas, c'est très joli. Moi, j'utilise plus en fait. Bon, c'est juste une sorte de flemme, hein, c'est très bête, mais mes dies, j'ai du mal à les utiliser. Donc, même si effectivement ça coûte moins cher. Finalement, si on les utilise pas, bah, c'est toujours ça d'acheter pour rien. Donc pour moi, c'est pas une économie. Et par contre, ma perforatrice de bordure, bah, c'est sûr que je l'ai payée beaucoup plus cher. J'ai dû la payer 11 ou 12 euros. 10, entre 10 et 12 euros. Par contre, je l'utilise beaucoup. Vous voyez, là, j'ai fait encore une page comme ça. Je vous ai fait une vidéo où je vous donne toutes les dimensions des pages avec les dimensions des photos. Donc n'hésitez pas à aller la revoir. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Donc là, c'est des petites étiquettes, des petits mots qui viennent de Scrap Didi. Ça, c'est mon pochoir chouchou du moment, mon dernier coup de cœur. C'est celui-là. Il n'est pas de chez Action, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Donc Sokai. Je crois que c'est la dernière collection So Flower. Il est dans mon dernier haul. Je l'ai trouvé sur la Fée du Scrap. Ça, il y en a qui l'auront reconnu. C'est Action, tampon bois. C'est la première fois que j'utilisais et je trouve très très joli. Donc j'ai pris une chute de papier avec un verso blanc. J'ai tamponné et j'ai du papier. J'ai pris d'une chute de papier 120 grammes du bloc. Voilà. Et puis ça, bah, j'ai juste retourné, j'ai fait avec la perfo de bordure et je trouvais que c'était sympa. Donc ça, c'est pour mettre des photos. Donc en fait, le motif, il va servir juste à mater la photo. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un peu mon fil rouge, la perforatrice de bordure. Ça, c'est un dies de chez Action. Ce petit embellissement, j'ai pris de ma boîte d'embellissement en fait. C'est un dies de chez Action que j'avais fait il y a longtemps dans une chute de papier Action. Ça, c'est des étiquettes Scrap Didi. Ça, c'est un petit cœur. J'avais acheté un lot sur AliExpress. Voilà. J'ai ressorti ma petite boîte de cœur et je trouve que c'est très joli. Enfin, j'aime beaucoup, forcément. Ça vient d'une petite perforatrice que j'ai achetée quand j'ai débuté le scrap. J'avais pas encore Action à Cultura. Que j'ai fait dans une chute de papier. Ça, c'est un dies de chez Action. Ça vient du bloc 30-30. C'est un bloc rouge et rose de chez Action. Ça,
c'est un tampon. Je crois pas que ce soit de chez Action, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Et en fait, je crois que j'ai. Non, je vais pas dire de bêtises. En tout cas, j'ai fait un fond à la Distress. Non, j'ai fait un fond. Je crois que c'est un feutre aquarellable de chez Action. Et je crois que c'est le papier de chez Action. Donc j'ai fait dans une toute petite chute de fond comme ça qui me restait. Voilà. Là donc j'ai fait une petite pochette. Hop. Pour mettre. Voilà. Je passe assez vite en fait parce que je vous ai fait une vidéo où je vous présente tout ça. Voilà. Donc là j'ai laissé des pages blanches parce que des fois je trouve que de mater une photo en blanc. Ça fait ressortir, selon la couleur des photos, ça fait ressortir la photo. Voilà. Mater, pour rappel ou pour celles qui ne savent pas, ça veut dire laisser un bord tout autour de la photo. Voilà. Je trouve que c'est plus joli. Après, c'est qu'une histoire de goût, hein, c'est tout. Voilà. Ça vient d'un bloc 1530 de chez Action qui est assez vieux. Encore une fois, on retrouve ma perforatrice de bordure. Ça, c'est un calque de chez Action. Donc c'est pas de la dernière série de calques, là je les ai pas trouvés. Enfin, c'est vrai que j'ai pas très souvent Action. Donc, par contre, il m'en reste beaucoup de la série d'avant, de l'année dernière, je pense. Les calques, j'utilise quand même très souvent. Voilà. Donc je trouve que c'est sympa. Donc là, il va y avoir une photo dessous, hein, mais voilà. Donc là, j'ai fait une enveloppe avec mes papiers 120 grammes des blocs. Je fais des enveloppes, il y a le tuto sur ma chaîne et donc dedans, hop, pour mettre un petit livret. Comme ceci, voilà. Et donc j'ai laissé l'intérieur comme ça pour faire un matage de couleurs. Alors là, je suis deux fois à l'envers. À l'envers, l'album par rapport à moi est dans ma vidéo. Donc j'ai du mal. Ces petits tampons là, ils viennent. Alors, le washi, il vient de là. Là. Donc ça, c'est. Tout ce que j'ai, c'est de. Un petit peu. Enfin, pas très récent, à très très vieux. Ça, je crois que c'est quand même assez vieux. Et là, le Polaroid. Hop, bah, je crois que j'ai acheté. C'est la même série, je crois. Il est là. Voilà, très très joli, je trouve. Ah oui, et puis il y a la petite pince là. Elle vient, hop, de celle-là aussi. Là. Voilà. Hop. Ça, j'ai fait le tuto sur ma chaîne. Voilà. Donc pour le matériel, vous voyez tout. Alors. Il n'y a pas grand chose. Alors oui, ça c'est le pochoir avec le dice de chez Action. Voilà, j'ai fait dans une chute de papier que j'ai utilisé comme pochoir. Le faux cuir, il vient de chez Action. En fait, je crois que c'est tout ce qui vient de chez Action finalement sur cette page. Mais vous avez tout le détail dans une vidéo, on fait ensemble. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Encore une enveloppe, donc avec le même système à l'intérieur. Et donc les tampons, ça vient de celle-là encore, l'appareil photo et le tampon qui dit collect moments, collectionne les moments et pas les choses. Voilà. Enfin, c'est ce que je comprends avec mon anglais scolaire, on va dire. Voilà, encore ma petite perforatrice de bordure. Alors ça, c'est un tampon que j'ai fait avec, donc sur un calque, voilà, avec la Versafine Smokey Grey aussi. Et en fait, j'ai toujours l'impression qu'il est fait de l'autre côté, mais non, mais non, mais non, il apparaît assez flou en fond comme ça, et j'aime bien cet effet. Donc ça vient de cette planche là, hop, voilà, l'orchidée là. De chez Action, bien sûr. Donc, le calque. Voilà, hop.
Et ça, c'est une page aussi qu'on fait ensemble. Donc, les petits porales laroïdes, ils sont là. Ça, j'ai oublié de sortir le tampon là, négatif de photo, mais c'est action aussi. Et puis ça, ça vient de ça. Donc, il vient aussi de... Ah bah voilà, il est là, le négatif. Et j'aime beaucoup celui-là, c'est... Donc là, j'ai fait une découpe avec un die de chez Action, là, le rond. Et j'ai tamponné ceci. Donc, c'est en anglais, j'aime pas trop, mais là, bon, on comprend. Et puis, j'aime tellement le sens de cette phrase que je l'utilise. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Chaque image raconte une histoire. Chaque photo raconte une histoire. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Et les deux petites bulles là, c'est... Non, ça et là. Je crois. Le cœur et l'appareil photo. Ouais, c'est ça, le cœur et l'appareil photo. Donc, vous l'avez vu avant moi. Voilà, et puis, ben voilà. On a fini pour cet album. Voilà, donc un album bébé, hein, vous l'aurez deviné. Et le deuxième, voilà, il est là. Donc il est fait, j'aime énormément la couverture. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. C'est du papier peint de chez Action. J'ai acheté un gros rouleau et là j'ai utilisé, je pense, bien les deux tiers. Il m'en reste encore beaucoup, hein. Je peux faire encore beaucoup d'albums. Et pour vous dire que vraiment, je l'ai beaucoup utilisé et que je l'utiliserai jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Très facile à faire. Il y a de toute façon, encore une fois, il y a les tutos sur ma chaîne. Et voilà, il y a un effet texturé que j'aime beaucoup. Il est fin pour travailler, il est très très bien. Ça, c'est du faux cuir de chez Action. Ça, c'est un embellissement bois. Il ne vient pas de chez Action. Je ne sais plus d'où il vient, il est très très vieux. Ça, c'est une paille de chez Action que j'ai découpée. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. J'avais déjà utilisé cette idée. Enfin, elle ne vient pas de moi. Hein. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça sur YouTube. Et puis, je crois que c'est Selma Scrap qui a refait ça. Et je me suis dit, oh waouh, c'est vrai que c'est joli. Donc, voilà. Ça, c'est un... Dice qui vient pas de chez Action. Je ne sais plus d'où il vient. Mais. Parce que j'ai jeté l'étiquette. Mais. C'est du faux cuir de chez Action. Ces coins-là. Ils viennent de la fée du scrap, je crois. Voilà. Le petit bouton, pardon. Il vient d'un lot qui vient de chez Action. Donc, ça, c'est les papiers des blocs. Voilà, donc vous voyez, j'ai même fait l'intérieur. Ah, je ne vous ai pas montré le bijou d'album. Voilà. Donc, la petite ficelle, là, comme ça, noire. Je me suis dit que ça changeait un petit peu de la chaînette aussi, j'aime beaucoup. Ça vient de chez Action. Le petit pompon, il vient de chez Action. Donc là, j'ai juste mis un anneau que j'ai trouvé dans une boîte de chez Action. Voilà, que j'ai passé à l'intérieur. Parce que les petits pompons, en fait, on les trouve sans anneau. Chez Action. Toutes les perles, elles viennent de chez Action. Voilà, ça c'est les dernières perles que j'ai achetées. J'ai acheté un petit lot comme ça. Enfin voilà, ça, j'ai piqué dans plein de boîtes et sachets de chez Action. J'aime beaucoup les perles de chez Action. Et puis ça, ça vient de chez Action, d'une très ancienne boîte. Et puis ça, ça vient aussi d'une très ancienne boîte pour faire des bijoux. C'est très ancien aussi, mais voilà. J'aime beaucoup les bijoux d'album, vous l'aurez compris. Le petit œillet, c'est un We Are Memory Keepers. Voilà. Et donc, à l'intérieur, hop, ça donne ça. Donc, le rond... C'est découpé avec un dice de chez Action dans un papier 120 grammes. Le tampon bois, il y en a certains qui l'ont reconnu. C'est tampon bois de chez Action. Alors, je ne sais pas si vous voyez sous le petit cœur, j'ai un peu raté le tampon.
des notes de musique. C'est une très 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 vieille planche de chez Action. Voilà, ça vient de là. Et c'était un peu flou, j'ai raté mon tamponnage. Donc j'ai mis ce petit cœur. Ça, c'est une étiquette de Scrap Didi. Et ça, c'est le même tampon que sur l'autre album. Voilà, j'ai fait les pages en même temps en fait. Là, c'est un calque de chez Action. Ça, c'est une découpe mot dans un papier miroir de chez Action. Ça, c'est un vieux tampon que j'ai fait. J'avais fait un fond à l'aquarelle, enfin à la Distress Oxide. J'avais fait un tampon. Les ateliers de Karine, je crois. Et puis j'avais découpé et puis mis dans ma boîte à découpe. Voilà. Ça, c'est un tag, je crois, d'une planche à étiquette de Scrap Didi. Ça, c'est du faux cuir de chez Action, mais avec un dies, je ne sais plus de qui. Ah oui, là, l'effet en bas, c'est comptoir du scrap, ça. Voilà. Et donc. Donc ça, c'est pour papier déco. Et puis ça, c'est pour mater une photo. Donc pareil, ça, c'est pour mater une photo. Voilà. Une pochette. Tout est en tuto sur ma chaîne, hein, pas de souci. Là, j'ai pioché dans ma boîte. Ça, c'est une petite découpe que j'ai faite avec un faux cuir de chez Action. Étiquette de Scrap Didi. Dans ma petite pochette, voilà, j'ai mis deux mêmes. Un petit livret pour mettre des photos. Ça, c'est une petite composition que j'ai fait. Alors, le tag et l'étiquette Scrap Didi et les deux petites roses. Ça, ce sont des... Ça vient des paper, Deluxe Paper. Vous savez, les anciens blocs en A4 qu'on trouvait avec... des dice cuts à découper et des papiers cartonnés. C'est très très vieux, mais il m'en restait ça. Ça, c'est une carte que j'ai eue en cadeau d'une boutique, je ne sais plus, que j'ai découpée. Ça, c'est une étiquette. Alors, je crois que le dice vient de chez Action, mais je ne suis plus très sûre. Le petit cœur que vous aurez reconnu. Voilà. Donc l'enveloppe que j'ai fait avec le papier 120 grammes, hein, toujours même principe. Comme le papier a un gros motif, j'ai rien fait d'autre. Ça, c'est un trombone qui vient de chez Action. Voilà, et qui sert juste à fermer parce que ça s'ouvre. Voilà, pour tenir. Un papier pailleté de chez Action, les petits blocs 15-15. Voilà, mon papier noir et blanc, ça vient de des blocs, vous savez, de chez Action, blanc, craft et noir. Ou je sais plus. Non, peut-être pas, mais en tout cas, vous les trouvez là. Encore une enveloppe. Alors, ces tampons-là. Il y a les trois appareils photo. Alors, les petites fleurs là que j'aime beaucoup de chaque côté, que j'ai fait la Versafine Smokey Grey, la grise. Alors, ça se voit pas trop, je trouve, à la caméra. Mais en fait, le tampon du milieu est noir. Et les deux petites fleurs sur le côté font un petit peu tampon de fond. C'est plus clair. Donc, les fleurs, c'est une vieille planche de chez Action. C'est celle-là. Et mes appareils photo, ah voilà, c'est ça. C'est une vieille planche de chez Action aussi. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc là, c'est pas collé. Alors, si je mets une photo 10-15, je suis pas très... Pour mettre une grande photo, en fait, je préfère faire des... Quand je fais ça, le faire monter plus haut pour que la photo tienne mieux. Là, bon, on peut toujours ajouter
quelque chose de plus petit, mais c'était pas. Enfin voilà, en fait j'ai laissé comme ça parce que la personne qui l'aura choisira. Voilà. Je vais vous remettre dedans. Ça, je sais pas si je l'ai fait en tuto, mais vous avez reconnu mon pochoir adoré. Voilà, et le tampon, c'est celui-là de chez Action. Voilà, que je trouve vraiment sympa. Et sur l'étiquette, il y a écrit « Notre escapade, l'histoire sans fin ». Je trouvais que ça se prêtait assez bien au tampon. Voilà, étiquette Scrap Didi, enfin des étiquettes. Et Action, ils ont fait des tampons étiquettes. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est un calque de chez Action. Ça c'est un papier pailleté de chez Action, fait avec un dice de chez Action. Ça et ça c'est Scrap Didi. Ça c'est une petite fleur dans le faux cuir de chez Action. Tag de Scrap Didi. Et ma petite bordure perfo. Alors celle-là c'est papillon. Je ne sais pas si on voit bien. C'est cette perfo-là. Donc, c'est la même que l'autre. Hein. C'est Vassem Créative aussi. Ce que vous voyez. Ouais, là, vous voyez bien. Voilà. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Je prends plus que celle-là, en fait. Parce que j'en avais acheté d'autres marques et puis ça marche pas, en fait. Puis je veux même pas les revendre parce qu'elles se bloquent en fait quand j'appuie, ça se bloque. Je sais plus quelle marque c'est. En plus, elles c'est les plus chères et c'est galère pour les débloquer. Ça se fait, mais du coup, on abîme le papier. Enfin voilà. Donc, bref. Et bien voilà, 32 minutes, c'est pas mal. Ah oui, je voulais vous montrer une dernière chose parce que au départ. J'ai fait deux albums en même temps pour gagner du temps parce que je mets beaucoup de temps en fait à scraper. Et comme je veux faire beaucoup de choses, eh bien je m'étais dit pourquoi pas. Donc j'ai fait mes structures en même temps. Oui, ça m'a fait gagner du temps. En fait, j'ai pas gagné autant de temps que ce que je pensais, mais ça m'a fait quand même gagner beaucoup de temps. Après, ça dépend comment on le fait, mais. J'ai fait mes structures d'album en même temps. Ça m'a fait gagner du temps. Ma déco, non, j'ai pas fait en même temps. Mais mes coins, je les ai fait en même temps. Oui, j'ai gagné du temps. Mes bijoux d'album, je les ai fait en même temps. Oui, j'ai gagné du temps. Beaucoup. Parce que je sors beaucoup de matériel. C'est pas grand chose, hein. Un bijou d'album, c'est vite fait. Mais finalement, ça me demande quand même un peu de temps. Parce que je sors ma crocodile, mes œillets, toutes mes perles. Donc j'en ai beaucoup, ça me prend beaucoup de place sur ma table, donc il faut que je range. Enfin voilà, finalement ça me prend un petit peu de temps pour une petite chose. Donc d'en faire plusieurs, là j'ai fait les trois bijoux d'album en même temps, j'ai fait trois fois les coins en même temps, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, voilà tout simplement. Ces deux pages-là, vous avez remarqué qu'elles se ressemblent beaucoup, je les ai faites en même temps. Les tampons, ce sont les mêmes là. Tampons de coin, les reliures spirales, j'ai fait en même temps. Donc après les pages, je les ai pas faites en même temps, mais j'ai fait d'abord, j'ai découpé toutes mes pages de cet album là et en fait comme j'avais déjà dans la tête à peu près les mêmes choses, j'ai refait à peu près les mêmes choses. Donc j'ai pas fait exactement les mêmes pages aux mêmes endroits, vous avez remarqué. Mais j'avais déjà les mesures en tête, j'avais déjà les idées en fait. Voilà, donc j'ai fait simplement comme ça me venait, mais ça m'a quand même fait gagner du temps. J'ai choisi mes calques en même temps, donc ça m'a fait gagner du temps. Les pochettes là, je les ai faites en même temps. Les livrets aussi comme ça, j'ai fait en même temps. Les enveloppes. Les deux albums, j'ai fait en même temps. Mince. Quand je suis à l'envers, je suis encore moins douée.
on va dire. Et puis, il y a des pages que j'ai faites en même temps, vous voyez. Ces deux-là, je les ai faites en même temps. Il y a les mêmes pochoirs. J'ai sorti mes tampons boîte chez Action, vous voyez. J'ai, vous voyez, là, c'est la pochette, j'ai fait en même temps que l'autre. Comme j'ai sorti, en fait, j'ai sorti le matériel. Vous avez remarqué que là, j'ai des embellissements roses, même s'il est noir et blanc. J'ai pioché dans les mêmes boîtes, dans le matériel que j'avais sorti, que vous voyez d'ailleurs dans ma vidéo bazar. J'ai pas sorti une autre déco spécialement pour un album par rapport à l'autre. Tout était déjà sorti, j'ai pioché dedans. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps, parce que le fait de ranger, de chercher, de tout sortir, etc., là ça demande beaucoup de temps. Voilà, en fait. Voilà, donc ouais, franchement, ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps, et je pense que je vais continuer à faire en même temps. Et là, je sais pas si vous avez vu mes derniers hauls. Dans mon dernier haul, la fée du scrap, j'ai acheté pas mal de matériel pour faire des structures d'albums, des couvertures d'albums. J'ai une merveilleuse trouvaille dans mon dernier haul Action pour aussi structure d'album. Et donc j'ai très 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 hâte de tester tout ça. Mais comme d'habitude, je fais un album par un album. Le temps de tester, bah, y a des choses que je teste plusieurs mois après. Donc là, comme je suis partie dans mes séries, je me suis dit, bah, je vais faire une série de structures d'album. Et c'est vrai que quand j'ai fait ça, comme ma structure était déjà faite, en fait, mon album, il a été très très vite fait. Vous voyez, j'ai juste choisi ma reliure à l'intérieur et c'est tout. Après, c'est quand même assez vite fait. Surtout que j'étais dans la même lancée et j'ai utilisé le même matériel que les deux autres. Donc ça, j'ai vraiment pas mis longtemps à le faire. De toute façon, vous allez le voir dans mes vidéos. C'est assez rapide. Donc là, mon prochain gros projet, on va dire, je vais en faire plusieurs petits. Là, ça ne viendra pas tout de suite, en tout cas dans les vidéos. Mais ma prochaine série, je vais faire une série de structures d'albums, parce que j'ai envie de comparer, en plus, les matières. J'ai envie de comparer. Voilà, si c'est facile à utiliser, facile à faire, à manipuler, à plier. J'ai envie vraiment de comparer les marques, etc. Et donc, de faire en série, ça permet vraiment de comparer, parce que si je ma trouvaille à Action, c'est un bloc de papier, du coup ça me permettra de savoir si rapidement, je sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, ou si c'est que une fois comme ça. Donc j'ai très rapidement envie de savoir si j'en rachète d'autres ou pas. Et puis voilà, en fait, les matériaux comme ça pour les structures, ça m'arrive quand j'en utilise une de marque, par exemple. Après, je ne me souviens plus, en fait. Quand je refais une commande plusieurs mois après, je ne me souviens plus quelle couleur, même où j'ai acheté. Il y a des rouleaux magnifiques que j'ai achetés, effet lin, effet tissé. Je ne me souviens plus où je les ai achetés. Donc, c'est dommage. Donc, du coup, voilà, de comparer, ça va me permettre de mieux retenir et d'avoir un retour tout de suite, en fait. Voilà. Je me suis un petit peu étalée dans mon blabla. Mais voilà, peut-être que ça en intéressera quelques-unes. En tout cas, je suis contente de vous avoir présenté ma série d'albums, mon duo qui finalement s'est transformé en trio. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Finalement, j'ai gagné encore plus de temps. Là, je vais faire plein de petits projets, j'ai envie. Voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bienveillance. Et je vous dis à très très vite. Il y
y a une vidéo. Vous allez voir qui va sortir, qui est très différente des autres. Allez, je vous en dis pas plus. À très très vite. Bisous, bye!